l'association ne s'assoit pas. Quelqu'un peut se lever, pousser les cris de joie pour le véritable Dieu. Si tu es paralysé, faut t'asseoir. Mais si tes pieds ne sont pas coupés, commence à t'élever. Et commence à pousser, 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 pousser. Jésus, pousser les cris de joie. Alléluia. Je veux que tu acclames Dieu. Papa et maman, acclame Dieu pour la vie. Alléluia. Acclame Dieu pour eux. Ça, acclame Dieu pour la vie. Il n'y a rien de jalousie. Acclame Dieu pour la vie. Oh, acclame Dieu pour ces qui le sont pour eux. Merci Jésus. Alléluia. Tu sais, je dis à quelqu'un, toi, tous ceux qui sont enlevés en 2023 sont des violents. Alléluia. Dieu a envie de faire sortir une nouvelle génération pour sa gloire. Alléluia. Et quand tu regardes aujourd'hui, quand tu vas au cimetière, il n'y a pas de vieillards là-bas. Ce sont les enfants âgés de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Alléluia. Parce que Dieu a envie de faire sortir une nouvelle génération. Frère, soeur, moi je suis pas venu te dire, tu as été marié, tu as voyagé. Je vais te dire ce soir que Jésus t'aime, accepte Jésus comme véritable Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Regarde. Ciel des jours, la Bible appelle l'homme de celui qui a triomphé la mort, celui qui dit et personne ne peut dire non, il est Seigneur sur la terre, dans les cieux il est Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Quelqu'un me dit, Ézéchiel, ta manière d'adorer Dieu est brutale. Il dit, frère, pendant que je t'ai paralysé, pendant que j'étais à l'hôpital, pendant que j'avais perdu espoir, pendant que je comptais sur mon gris-gris, pendant que je comptais sur Polo, tout cela m'a laissé tomber. Pendant que j'ai m'enterré, le véritable Dieu a dit, tu es mon enfant, tu es mon bébé. Ézéchiel, sors du tombeau. Et je n'ai pas que ce Jésus-là. Je n'ai pas que ce Jésus-là. Je n'ai pas que ce Jésus. Autrefois je marchais comme toi, autrefois je courais comme toi, je jouais au football comme toi. À une semaine de mon voyage sur l'Europe, mon paradis sur le terrain. Mais c'est le seul Jésus qui m'a fait sortir d'entre les morts. C'est pourquoi il dit, Seigneur, ma vie est entre tes mains, ma bouche est entre tes mains, ma jeunesse est entre tes mains, mon âme est entre tes mains. Père, je suis prêt pour toi. Moi je l'appelle le champion des champions. Je l'appelle le véritable Dieu. Je l'appelle l'homme de Galilée. Je l'appelle la star des stars. Ils m'ont paralysé. Les sorciers de ma famille là.
son père. Même la copie du frère qui dit Ézéchiel, je t'aime tellement. Un bon matin m'a laissé tomber. J'étais tout seul dans la souffrance avec Jésus de Nazareth, avec ma maman. Quelqu'un peut acclamer les mamans ce soir? Est-ce que tu peux acclamer les mamans ce soir? Visitez les mamans. Acclamez les mamans ce soir. Écoute mes paroles. Nous sommes partis chez Baye. Baye dit à ma maman, il n'y a plus de solution pour ton enfant. Solution pour son enfant. Nous sommes partis chez le tombier. Il dit à ma maman, on a déjà découpé ton enfant. Là. Il est allé manger car c'est fini pour Je viens dire ce soir, là où la main de l'homme s'est arrêtée, la main de Dieu se lève. Là où ils ont mis un point de sa vie, Jésus vient mettre la figure. En ce soir, il met la figure de ta vie. En ce soir, il met la figure de ta vie. Il met la figure de ton ministère. Un bon bébé dit, maman me conduit à l'hôpital de la Côte. Arrivé à l'hôpital, là, on fait tout ça de sa main. Le docteur dit à la vieille madame, faut pas gâter ton argent. Ton enfant qui en tient des pourris là, il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Assis-toi sur 6 mois. Je suis enflé. Et on dit, je ne suis pas malade. Dis à quelqu'un, Jésus est capable de tout. Jésus est capable de tout. 15 minutes après, le docteur, il rentre dans ma chambre. Il appelle ma maman, il dit, ma chérie, il faut te calmer, il faut essuyer tes larmes. Car ton enfant Ézéchiel là, il est décédé. Ton enfant Ézéchiel là, il est décédé. Le coupable de ta maison là, il est décédé. On dit, je suis décédé. Ils ont fini de me laver. Toi qui m'entends, et on va tellement tirer. Je ne compte pas un film. Je ne compte là où Jésus m'a fait sortir. Au début, c'est 8 heures pour sa gloire. On va tellement tirer. Ils m'ont parlé de la nato. Hey! Toi qui m'entends, et on va tellement tirer. Moi qui me jouais les temps errés. La mort avait une raison sur moi. Moi qui me jouais l'estimé. La mort avait une raison sur moi. Moi qui me jouais les beaux garçons. Hey! La mort avait une raison sur moi. Ils ont fini de me laver, ma race n'a tout plus. Oh Jésus, je l'ai béni. Arrivé au cimetière, c'est là mon Jésus, il va parler de ma. Arrivé au cimetière, c'est là le signe de miracle, il va parler de ma vie. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Il me dit, Ézéchiel, as-tu oublié que à cause de toi, ils ont percé mon côté? Que ça vaut de toi, ils m'ont mis à la croix. Mon fils Ézéchiel, le tombeau n'est pas ta maison. Le tombeau n'est pas contre toi. Le tombeau n'est pas ta maison. Ézéchiel, 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 sors du tombeau. Sors du tombeau. Il me dit encore, il y a des paralytiques qui ont besoin de ta foi. Les poutres de Yopoukon ont besoin de ta foi. Les filles qui servent ici à Yopoukon ont besoin de ta foi. Les enfants déshérités ont besoin de ta foi. Les mamans qui ont cancer de sein ont besoin de ta foi. Le tombeau n'est pas ta maison. Le tombeau n'est pas ton toi. Ézéchiel, sors du tombeau. Sors
tu es en haut. Écoute, moi qui n'avais pas de force dans mes pieds, le Dieu des miracles, il a mis la force dans mes pieds. Moi qui n'avais pas de force dans mes bras, le véritable Dieu, il a mis la force dans mes bras. Moi qui n'avais pas de souffle dans mes narines, il me dit, Ézéchiel, de la même manière, je veux sortir Lazare du tombeau. De la même manière, il m'a ressuscité. Il fait sortir ton enfantement du tombeau. De la même manière, il m'a ressuscité. Il fait sortir ton pépièce en cette année. Tu viens, il m'a ressuscité. Il fait sortir ton travail, ton pépé, ta promotion. Jésus.